Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. On se retrouve pour ouvrir cette, ce display en fait, la malédiction du cercueil de glace. Voilà, donc vous pouvez aller voir la première partie qui s'affiche ici parce que voilà. Et sinon, c'est pas très grave. Vous saurez peut-être répondre à la question qu'on se posait pendant la première partie, mais on vous laisse la regarder pour. C'est ça. Et quoi qu'il en soit, on est toujours tous les trois et on va s'ouvrir 9 boosters pour cette deuxième partie. Ce sera 3 chacun à nouveau. Exactement. Voilà. Et je vais commencer. Allez, c'est parti. T'en as pas eu assez là. Il faut Faut du force à fouiller. Sauf qu'en plus, c'est toi qui as ouvert les deux super rares foils, Il me semble que oui. Ouais, je crois que c'est toi. Le Glorious, c'est moi, et l'autre, on l'avait ouvert avant. Effectivement, c'est moi. Bah oui, qu'est-ce que tu crois? Donc, écoutez. Je crois que t'as oublié de mettre les incommunales avant, comme d'habitude. J'ai oublié, c'est pas très grave. Oh, lapin! Mais c'est vrai que t'es fan des lapins, toi. Lapin de la lune d'eau. Par contre, c'est bizarre, il a une sorte de touffe de poils au niveau du torse, quoi. Mais c'est cool, David, il y a des lapins sur les bulles. Exactement. Bref, peu importe, un petit lapin en unco. Derrière, Alexandrie, la bibliothèque de contes de fées. Donc, la bibliothèque d'Alexandrie, quoi, tout simplement. Rien que ça. C'est Nunko. Ils aiment bien ce genre de choses. Non, mais des fois, t'as joué une carte, c'est le cataclysme, destruction de l'espace-temps, tu vois, et c'est une commune, tu vois. Il y a aucune logique. Tu peux en avoir 7 dans ton deck. Alors, la voyante qu'on avait ouvert en foil, on l'a ouverte en normal. En normal ou en foil? Non, il me semble, je me rappelais plus. Le stage qu'on commence à voir et revoir. Pareil, franchement, si je l'ouvre en foil, je vais être déçu. Parce que oui, c'est vrai. Pas excellente, quoi. Celle-ci, pareil, elle n'est pas. Elle n'est pas top, en effet. Pas magnifique. Super rare, un vampire. Donc, Rinka. Rinka, je pense. C'est la deuxième fille des Mikage. Des cartes Mikage dans le deck. C'était le rouleur, justement. Du starter deck Ténèbres. Et on avait ouvert la première fille, il me semble. Hein. Non? Ah! Et elle n'était pas dedans? Je me rappelle plus, c'est possible. Il me semble. Hein. Quoi qu'il en soit, la deuxième fille qui est bien bien dark et goth et tout ce que vous voulez. Et donc c'est plutôt cool. Et on dirait presque un. Ah, mais non, ça c'est des vêtements parce que je me disais, c'est un zombie, elle s'est fait recouvrir. Non, c'est des vêtements. Et c'est des vêtements, elle habille en blanc alors qu'elle est blanche de base. Oui, et ouais, c'est bien vampire parce qu'à chaque fois qu'elle va coller des blessures, vous mettez un marqueur +100/+100. Oui, elle absorbe la vie des autres. Elle va grossir. Ça ressemblait à des tatouages. Donc c'est plutôt cool. Oui, ça ressemblait, mais non, c'est vraiment ses vêtements. Mmh. Si on y regarde un peu plus près. Derrière, on aura. Ça rend tellement bien en full art. À mon avis, ouais. Donc on a une petite Unco foil qu'on avait déjà ouvert, donc le pays imaginaire. Qui rend vachement bien en foil. Qui rend très bien. On a une petite commune. On a déjà pioché en foil. Comme on n'a pas de pierre magique, on a deux foils, c'est ça en fait, tout simplement. Et derrière, on a la rare classique et ce sera Lumière Magique. Là, par contre, pas mal de doubles. Ouais, qu'on a déjà ouvert plusieurs fois d'ailleurs. Donc attends. Tu sais, c'est pas la première fois que ça nous arrive. Ah non, c'est pas la première fois. Wheel, on a eu ce behemoth quoi, que j'ai ouvert 10 000 fois. Oui, c'est vrai. J'en peux plus. C'était dans la liste 1, c'est ça? Oui, c'était la liste 1, oui, parce qu'on en a ouvert tellement. Bref, c'est normal de tomber plusieurs fois, mais c'est vrai que le behemoth, on l'avait pioché pas mal de fois dans la même. Tu vois le garde-voir d'origine antique. Voilà. C'est pareil. Alors, les Unco, c'est vrai. T'y penses. Hop, voilà, j'y pense. Tac. Oh. Entrave de glace. Ouais, il est bien entravé, lui. Hein. Donc, addition, ça devait être une carte qui permet de bloquer en fait une créature additionnée, du coup. Le gouverneur Oni, qu'on avait déjà vu. On dirait presque une armure de Monster Hunter. Cthulhu, en fait. On l'a déjà vu. Lui, on l'a déjà vu. Le gros nounours, on l'a déjà vu. Lui, on l'a vu. Rare foil. Bah, tiens, on a déjà ouvert en rare et aussi en foil. Elle n'a pas la texture, donc c'est une autre type de carte. Mais elle n'avait pas celle-ci, la texture. Si. Attends, où est-ce qu'elles sont? Elles sont là? Non, derrière. Elle avait pas si. Si, je t'assure que c'est moi qui l'ai pioché, je sais quand même. Tiens, regarde si elle avait pas la texture. Ça va pas se voir à la caméra forcément. Si, mais... si, ça va se voir, attends. on dirait attends. C'est voilà. Bon, là, regarde. Là, on se voit. Le titre. Voilà, et là, on le voit pas. Donc en gros, c'est ça les full art? C'est bizarre quand même. Je suis déçu si c'est ça les full art. Hein. Donc la nouvelle full art, c'est juste ça? On a plus le bloc qui disparaît en dessous? Ça me ferait chier perso. Hein. C'est un peu naze, non? Non? Bah, ça me plaît pas en tout cas. Là, ça apporte rien quoi. Ouais, ce serait dommage. Surtout qu'en plus, le pentagramme n'a disparu. Bon, ça fait un petit moment maintenant, mais. Non, ils avaient retiré le force of will. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Mais le pentagramme restait en effet. Ce serait dommage dans le sens où la différence se voit à peine en fait. C'est un peu naze, hein. Ouais, et puis ça veut dire au final, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je pioche. Ça veut dire que Glorious était full art en quelque sorte? Bah, je pense. C'est ça. Mais. Ouais, Mwerf quoi. Je suis pas rassuré. Je suis un petit peu. Bah attends, on va garder celle-ci et l'autre on va la remettre là-bas. La remettre là où elle était. Donc la pierre magique, pareil, on l'a ouvert en foulard du coup. Ouais, logiquement, ouais. Mais ouais, ça me laisse un peu. Ouais, je suis pas fasciné pour le coup. Hein. Ouais, je suis. Ouais. Ouais, non, ça me déçoit. On verra bien sur la suite de la boîte. Après, peut-être qu'on aura une chroma et que ça va tous nous.
On verra, mais bon, bref, je suis un peu déçu. Donc, comme une foil. Limite, les foils classiques rendent mieux que les foil art du coup. Ça dépend desquels, mais... Et on a le Capitaine Crochet, le pirate. Qui a la classe, hein. Ça va, il est ok. Ouais, et il a encore ses deux yeux, le pauvre. Donc, rare classique, on va dire. Et donc, bah, mon troisième booster. Ah, franchement, s'ils ont fait ça, s'ils ont niqué les full art, c'était vraiment fun d'ouvrir des super full art. C'est, je suis un peu... C'est vrai que... Vas-y, montre-nous bien tout. Ah, ça va. Ça, on avait vu... Oh, Zubaji. C'est un cochon? Ouais. Ok. C'est le copain de Sangoku. D'accord. Ah oui, c'est Oolong. Donc ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu... La moitié des cartes, c'est des femmes, quoi. Donc ça, c'est une rare, donc la pierre magique spéciale Lumière-Feu. Lumière et feu, oui. Que pas exceptionnel par rapport aux autres. Très sincèrement, on reconnaît pas tant que ça la lumière, mis à part l'énorme symbole genre « Eh, vous avez vu, c'est de la lumière !» Bah, le soleil, c'est aussi feu, oui, non, mais... sorte, donc... Oh, elle claque, hein. Alors, par contre, celle-ci, c'est la version Vent-Feu. Ah, mais c'est pas une elle est en foil, du coup, non relief. Ouais. Même, on peut même pas appeler ça des foulards, quoi. Non, c'est non. Plus des textures, quoi. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Après, ils ont peut-être essayé de tenter leur propre truc, mais c'est vrai que bon... C'est un peu foiré, quoi. Bref, donc, bah, très joli. Très joli, ouais, c'est ouais, clairement... très sympa. Alors, je sais pas d'où est le vent, quoi. Oui, c'est ce que j'allais... Ah, bah si, la lune. La lune, c'est le vent? Bah, la lune, les marées, tout ça, le vent... Si, je pense que... Ah, ok, d'accord, très bien. Parce que pour le coup... Enfin, c'est comme ça que je vois ça, perso. Hein. Ouais, d'accord, très bien. Pourquoi pas. Admettons. Enfin, il n'y a pas de verre, quoi, bref, c'est un peu bizarre. Une commune foil juste derrière, et ce sera la magie de clonage qu'on n'a jamais ouvert encore. Le clonage chez Naruto, mais ça me fait penser à ça. Et derrière, on a une rare classique, c'est Wendy, qu'on avait déjà ouverte, et ça va être à ton tour, donc j'ai rien ouvert de fou, à part Rinka. Il est ouvert, quoi. Ah, ok. Ça va, tranquille. Il n'y a pas des choses bizarres. Ah, en fait, je t'ai pas dit. Non, dans Magic, j'ai ouvert un booster, il y avait des cartes qui étaient à l'envers. Mais genre, la face verso, quoi. Donc elle était à la bonne place, c'était une des trois Zunko, mais juste elle était face verso. J'ai pas compris. J'ai jamais vu encore. J'ai... Ok. Mais non, comment, sur Pokémon ça m'est jamais arrivé. Mais comment c'est possible? Bon, c'est en vidéo, c'était dans les boîtes Conspiracy, donc tu pourras toujours aller voir. Alors, protecteur du palais de lumière. Ça va, elle est plutôt stylée. Hein. Chauve du palais de lumière en fait, mais. Oh oui, mais. Attends, avec tout le soleil qui se prend sur la tête. Oh, 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 ça claque. Et c'est une commune, hein. Soldat invoqué de Glorious. Donc Glorious il invoque un soldat en fait. C'est cool. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. Et puis t'as vu, esprit héroïque. Hein. C'est ouais, pas... esprit héroïque, c'est plutôt cool. Super rare, donc. Non. Foil classique, c'est ça? Oui. Mais enfin, bon, ça change rien. Azaroth, chasseur de réalité. Bah, moi, j'aimerais bien. Je préfère piocher des cartes vraiment, vraiment rares. Donc, c'est un humain Cthulhu. Ouais. Il coûte 8. Il a 2000. Taf. Mais non, c'est marqué résonateur. Mais moi, je m'en fous, je veux regarder quand même. Donc, limite 6, il a un effet bien trop gros pour qu'on le lise en 6 dans cette ouais, vidéo. Ouais, ça a l'air très intéressant. Ouais, il est plutôt stylé quand par même. Par contre, j'aime beaucoup la bibliothèque justement derrière. Je sais pas si on verra. Hop, si je me mets comme ça. On peut voir la bibliothèque derrière son visage là. En effet, ouais. Il est plutôt stylé en tout cas. Ouais. Donc, super rare. Une petite. À droite, c'est une super rare. Tu vas arrêter, oui. Mais je vais m'en occuper. Donc une pierre des ténèbres. Cool. Le chevalier dragon qu'on avait pioché qui est vachement sympa. Ouais, c'est plutôt cool ça. Donc en commune et derrière on aura bah, la rare classique. Abdul Al-Azred. Al-Azred. Le prêtre. Ça me dit quelque chose en plus. Ça doit être un nom connu aussi, mais. Et c'est un sorcier. Avec Lumia piégé dans le cercueil de glace, le pouvoir d'Al-Azred était. Ah, donc c'est Lumia qui est piégé dans le cercueil de glace. Lumia c'est qui? Je sais pas, mais en tout cas c'est Lumia. Ah bah merci. Hein. Bah, au moins on sait comment elle s'appelle. C'est pas genre. On sait pas qui c'est, mais. C'est pas Blanche-Neige, quoi. Oui, c'est vrai. Ah, bah j'en ai encore deux. Bah oui. Le mec, il a un moment qu'il a oublié, quoi. T'as parmi les Zunko. Mais ouais, franchement, je suis un peu. On verra. Un peu deck pour les full art, là. On a encore pas. À moins qu'on ait les full art et les super full art, tu sais. Tu penses qu'ils ont rajouté un niveau de rareté? Ça pourrait, hein. Les full, full art. Putain, il est flippant. Hein, guide de l'ancien mur de glace. Ouais. C'est Gepetto, en fait. Bah, tiens. Zélot d'Alzaret. Mais Alzaret, c'était une créature qu'on avait déjà ouverte, je crois, dans les anciens. Ouais, il me semble qu'il y avait une créature qui s'appelait comme d'accord. Ça. D'accord. Je me trompe peut-être. Oh, elle est cool. Rare. Donc, lumière et eau. On les ouvre assez facilement, ces pierres ouais, magiques. Mais franchement, celle-ci, je suis sûr qu'elle rend très très bien en foil. Elle peut claquer. Ouais. Déjà qu'elle est vraiment belle de base. Mm. Par contre, tu vois, je l'aurais plus, vu qu'il y a du vert, je l'aurais plus imaginé en tant que plante. Ils ont inversé les illustrations, peut-être, je sais pas. Pierre magique de feu, donc celle-là, on l'avait pas eu en foil, il me semble. Ouais, et je vois qu'il y a un pentacle derrière, mais une petite commune foil qu'on n'avait jamais ouverte, mais qui est magnifique. Cool comme tout. Hein.
C'est très Inca pour le coup, avec le grand casque et tout. Et on aura... Alors attendez, je mets ça là, ça aussi, et ça ici. Tu vois ça, ça. Tu vois, j'ai rien dit. Rafale divine. Et donc, ça se trouve, c'est elle, Lumia. Peut-être. Qui ne sait pas. Et donc... Mais... Avec les dents. Quel genre. Alors, nuage volant. Ah bah tiens, mais... Le bâton. Bah oui, c'est ça. L'homme singe. Voilà, c'est ça. Kintone. Ah, Urashima qu'on a beaucoup ouvert. Un Cthulhu. Créature du chaos. Là, pour le coup, c'est vraiment un Cthulhu. C'est vraiment un Cthulhu, en effet. Là, tu peux pas dire que c'est pas un Cthulhu. Tigre à l'affût dans les bois. Bah oui, je peux pas dire que c'est pas un Cthulhu, c'est marqué dessus. Hein. La plante. Tu peux pas dire que c'est pas une plante. Hein. Magie de clonage. C'est ça. Qu'on avait ouvert en foil, en effet. En foil, absolument. Hop, j'allais la ranger avec le reste. Oh oui. Zéro. Géouleur. Maître du sabre. Putain, c'est devenu un rouleur, quoi. Ah, c'est moi qui l'ai. Attendez, on termine. Et pour le coup, elle est en full art. Non. Mais si, elle est texturée de partout. Bah, et alors, les autres sont texturés aussi. Bah, c'est des full art du coup. Si c'est ça le. Bah, oui. Bon, alors, le full art. Ça, on l'avait ouvert en normal ou en. Oui, on l'avait déjà ouvert en normal. C'était le normal. Captain Crochet. Ouais, si, on était d'accord. On a quoi derrière? On a le protecteur de la forêt. Un ours, oui. Ici. On a une pierre de magie du vent. Oh là 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 là. Avec le pentacle et tout derrière. Et je pense que du coup, c'est une version full art. Oh, avec le hibou. Oui, le hibou, j'avais même pas fait percuter. Elle a l'air de galérer d'ailleurs. Jugement, ça coûte que 2. Waouh. Elle a une capacité en ténèbres aussi. Elle est vraiment belle. Hein. Est-ce que je peux vous montrer les. Ouais. Ouais, c'est regardez, ça. Regardez le chapeau, surtout, ça rend bien avec les croisillons. Là. Ouais. Donc je suppose que c'est vraiment. Je vais ça, vous laisser. Bonne soirée, j'y vais. Je pense que c'est vraiment ça l'aspect full art. Je pense. Hein. Mais ça se trouve, les girouleurs ont que cette forme-là et la forme chroma. Hein. Non, les girouleurs, ils ont la forme normale normalement, ou c'est juste foil en fait. On verra. Ça... Non, oui, mais attends, normalement. Ouais, normalement, on sait pas trop ce qu'ils ont foutu là. Ah, je suis content, c'est moi qui ai pioché zéro. Ah ouais. C'est la moitié ouvert. Ouais, t'as vu ça. Des fois, c'est mal collé en fait. C'est ça, c'est plus mal collé qu'à moi. Elle s'ouvre facilement. Oui, c'est ça. Et puis de toute manière, c'est pas comme s'ils avaient pu l'ouvrir. Elle a laissé la boîte. C'est bon, le 15 citrouilles. Ça aussi, ça me rappelle quelque chose, tiens. C'est original. Ouais. Ah, coucou, on se retrouve. Gouverneur Ronnie, l'elfe de la colline venteuse. Franchement, on abuse, on aurait pu détailler un petit peu le rouleur. On pourra le détailler à la fin de la vidéo. Oui, on le fera à la fin de la vidéo. Sorcier de combat d'Altea, ça je pense que c'est la première fois qu'on le voit. Ouais, oui, absolument. Bien. J'aime beaucoup l'idée d'un sorcier de combat, personnellement. Sympathique. Ouais. Non mais... Ouais, si j'aime bien aussi, ouais. Le que tu as vu, ouais. Créature du chaos. Oh, alors. Super rare. Foil. Numblot. Démon de la crête. Il est mignon. Démon des sept luminaires. Ouais, je sais pas, il est bof, je trouve pas que. Non, mais il est mignon, quoi. Ouais, ouais. Il est plus marrant qu'autre chose, en fait. Ouais. On a une pierre magique. C'est une super rare foil, là, c'est toujours bien. Ah oui, bah oui, absolument. Pierre magique, ouais. Une pierre magique. Une petite commune foil. Sirène. Et encore celle-ci, qu'on a ouvert un certain nombre de fois. Ça fait trois fois maintenant, deux fois en normal et une fois en foil. C'est ça. Non, c'est que les rouleurs qui ont des. C'est les seuls. Oui, non, c'est marqué dessus. Il y a les transformations aussi. Il y a les cartes shift qui, effectivement, ont deux faces. Et je ne sais plus d'ailleurs de quelle extension ça provient. Alice 4. Alice 4 Alice 4. Donc on en rouvrira certainement quand on fera du Alice 4. Ah là là, qu'est-ce que c'est bien Force of Will. Je leur dirai jamais assez, je crois. Bah, sauf s'ils ont. Si c'est ça leur nouvelle full art, moi je suis vraiment déçu. Hein. Le familier qu'on a déjà aussi. Serviteur des Mikage. Ouais, c'est un vampire. Donc c'est un vampire, forcément. Forcément. Vu que c'est la famille Mikage. La brume sans nom. Ah, invocation beau, depuis mémoire. On l'avait vu, on l'avait vu. Ah oui, non, excuse-moi, d'ici je pensais que c'est une nouvelle carte. Encore celle-ci, celle qu'on ne comprenait pas. Alors, super rare. Melfi, sorcière du vent divin. Et elle peut nous produire n'importe quelle couleur de volonté, c'est plutôt intéressant. Et pratique, donc encore une fois, c'est un jeu rapide. Et jeu rapide, absolument. Petit elfe. Et c'est un nouveau nom qu'on ne connaissait pas en tous les cas. C'est ça. Ça, c'est Nunko, ouais. Foil. Qu'on avait déjà vu en effet. Ouais, qui rend bien aussi en foil. Le serviteur qu'on a ouvert. Ici, oui. Ouais, vas-y. Le serviteur de Mikage, encore une fois. Et la rare, ce sera. Otohime, princesse du palais dragon. C'est pas une vampire? Non, conte de fées. Non. D'accord.
Sympa. Ok, plutôt cool. Donc rare classique. Non, c'est rare, on a pas. Yes. Et donc, je commence à comprendre. Dernier booster de cette seconde partie. Et on en profitera ensuite pour détailler notre petite zéro, qui a l'air d'avoir beaucoup de... Beaucoup d'effets, ouais. Merci. Je termine ce que tu as commencé. Du travail d'équipe. Âme sacrée radieuse, on l'a déjà vu, je crois. Oui, c'est bien possible. Encore une fois... Hashimataro, je crois que c'est un homme. Là, tu penses hein. Pour moi, c'est un homme. Hein. Ah oui, oui, c'est un homme. Très efféminé, alors. Hein. Ouais, efféminé, mais ça c'est... Chanteur de J-pop, c'est un homme. C'est normal, c'est manga, c'est forcément... Ouais. C'est pour le coup, celle-là, on l'a déjà vu. Sorcier combat. Le dragon, le 8 millionième dragon. Le petit Drake. Hein. Le nounours. Le nounours. Lapin-garou. Lapin-garou. Oh, c'est trop mignon. Alors, sachant que ça, c'est une mauvaise traduction, parce qu'à la base, c'est des, littéralement, c'est des lapins lunaires, en fait. D'accord. Et en français, ils ont dit « Oh, lapin lunaire, c'est des lapins-garous » Alors que, en fin de compte, non, c'est... Oui, d'accord, oui, je vois le concept de lune-garou, tout ça. Mm. Voilà, bref. Enfin, le principe de mettre garou, après... C'est un lapin-garou. Je vois bien en le cochon d'un garou. Très sympathique, encore une fois. Bah, forcément, avec zéro. Lumière magique de zéro. Encore une fois. Hein. On l'a pioché en foil, déjà, il me semble. Ouais, en foil et en normal, déjà. Oh, pierre magique de lumière, elle envoie celle-là. Celle-ci, elle rend bien, ouais. Oh là là, t'imagines en foil ? Ah ouais, elle donne bien. Hein. Très très belle. Le sorcier de combat d'Altea. En foil, et la rare classique, ce sera Rafale Divine. Rafale Divine. Divine. Pas mal. Qu'on avait déjà ouvert. Bon, voilà, c'est tout. Donc, maintenant qu'on a ouvert tous nos boosters, on va s'occuper un peu de zéro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 foils, sans compter les foils super rares et rares. Ouais, c'est plutôt pas mal hein, pour 9 boosters. Hein. T'imagines un peu. Ouais. Donc, pour, on a un petit rouleur donc, qui est très sympathique, encore une fois, qui est lumière. Donc, elle vous produit, enfin, quand vous l'engagez, vous allez récupérer des petites pierres magiques dans votre deck. Vous pouvez faire énergiser pour un lumière. Et je vous avoue que je ne sais pas ce que ça fait, énergiser. Oui, c'est un nouveau mot-clé. Je l'ai vu en effet et j'ai pas. Donc, c'est sûrement dans les règles, les nouvelles règles. En tout cas, si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à poster un petit commentaire. Son jugement coûte 2, donc le jugement c'est pour la retourner, bien entendu. Et pour un lumière, vous pouvez faire en sorte que le résonateur ciblé gagne plus 100 jusqu'à la fin du tour. Ok. Et vous pouvez en plus payer un ténèbre, donc pour ça il faut que vous jouiez blanc-noir en quelque sorte. Et en fait, le J résonateur ciblé perd le vol, première frappe, rapidité, précision, impérissable, jusqu'à la fin du tour. Ouais. Après, faut voir, parce que ça se trouve, t'as pas forcément besoin de la jouer, mais c'est vrai que c'est quand même un effet vachement violent. Hein. En fait, impérissable, par exemple, c'est si votre J-Rouleur meurt, en fait, non, c'est spécifique au J-Rouleur, en fait, si, au lieu de redevenir en tant que légume qui sera plus qu'à mettre des pièces, des pierres magiques, il revient en rouleur et vous pouvez à nouveau le retransformer, etc. Donc, le retirer, admettons, le Mikage, le vampire, il fait ça, tu vois, parce que c'est un vampire. Mais du coup, le fait de lui faire perdre l'impérissable grâce à ça, et de mais le buter dans la ça foulée, ça le nique, quoi, tu vois, donc ça je pourrait... Je suppose que la carte est faite exprès, en fait, pour contrer ce genre de choses. Bah, hein. Je suppose aussi, vu qu'elles sont dans la même extension. Alors, humain, 6 sages, très bien, donc précision, pareil, nouveau mot-clé, je sais plus ce que ça fait. Ah non, c'est donc, peut-être... Je précise que les 6 sages, c'est quelque chose qu'on a depuis le tout début, en fait. Hein. Les 6 sages, c'était un des trucs qui a été introduit dès le départ. En tout cas, dans Alice 1. Dans Alice 1, en tous les cas. Donc, précision, bah écoutez, je ne sais plus ce que ça fait. C'est peut-être l'équivalent de la portée, mais j'ai un gros doute. Hein, donc, je ne sais plus. Je ne sais plus. Prévenez tous les dégâts. Alors, pardon, j'ai oublié de vous dire, c'est 1100. Et prévenez tous les dégâts qui devraient être infligés à cette carte pendant qu'elle combat. Ah, ok, tu peux pas la buter par le combat, c'est juste ultra violent. Oui, d'accord, oui. Et c'est pas juste une initiative, c'est carrément tu ne peux pas la blesser via des blessures de combat. Quoi. Et les J-résonateurs que vos adversaires contrôlent perdent et ne peuvent pas gagner vol, première frappe, rapidité, précision et impérissable, mais genre de manière permanente. C'est juste trop fumé. Donc en fait, t'as même pas besoin de l'utiliser avec absolument le truc noir. Quoi. Non. Tu la balances et tu dis ça va. Et elle coûte que 2 à transformer. Oui, quoi. Mais c'est ultra violent. Mais c'est sûrement parce qu'il y a d'autres créatures qui sont vachement violentes dans la version noire. Alors, oui, peut-être que je dis une bêtise, que je connais pas la metagame ou quoi, mais si vous avez des infos à ce niveau-là, confirmez-moi ça. Mais elle me semble ultra pétée. Et là, si on considère qu'elle est potentiellement full art, moi ça me bat. Qui c'est qui l'a pioché ? T'as eu de la chance, c'est bon. Bref, bah, j'espère que ça vous a plu. C'est typiquement là. C'est clairement la carte de l'ouverture. Il nous reste un deuxième rouleur à ouvrir. Ouais. Partie 3, partie 4, bah, on verra. Donc, écoutez, sur ce, on vous dit à tout de suite pour la suite, et pas la fin, mais la suite en tout cas de ce display. Je pense qu'on peut booster tout ça. Hein. Il n'y a qu'une seule carte qui importe sur ce display-là pour le coup. C'est ça. Allez, à tout de suite. À tout de suite.